إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc nous sommes arrivés aujourd'hui au septième chapitre, sixième chapitre, septième dans certaines éditions du livre de l'unicité de l'imam Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah. Le nom de ce chapitre est « Il fait partie du polythéisme le fait de porter un anneau, un fil ou autre chose de semblable pour dissiper un malheur ou le repousser. » Pour dissiper un malheur ou bien le repousser. On voit ici que l'auteur rahimahullah commence à expliquer en détail le tawhid en exprimant son contraire. En effet, il est connu qu'une chose se définit et se distingue par deux moyens, en définissant son essence ou bien en ayant la connaissance de son contraire. Donc l'imam, rahimahullah, a commencé par citer ceux qui s'opposent au tawhid, à savoir que ceux qui s'opposent au tawhid est de deux types. Premièrement, ceux qui s'opposent au fondement du tawhid, de l'unicité. Il s'agit du polythéisme majeur, qui lorsqu'il est commis par un musulman, doué de raison, responsable de ses actes, invalide totalement son tawhid, son unicité. Ce musulman devient alors un polythéiste, un mushrik, de telle sorte qu'il est exclu de la sphère de l'islam. Le deuxième type de ceux qui s'opposent au tawhid, c'est ceux qui s'opposent à la perfection obligatoire du tawhid, de l'unicité. Cela correspond au polythéisme mineur. Si quelqu'un le commet, il annule par cela la perfection du tawhid et non pas la base et la totalité du tawhid. En effet, le tawhid n'est parfait qu'à partir du moment où l'on se débarrasse de toutes les formes de polythéisme. Le cheikh rahimahullah a donc commencé à expliquer le polythéisme en clarifiant certaines manifestations de celui-ci, les manifestations du polythéisme mineur qui se produisent très souvent. Donc il a commencé par le polythéisme mineur par souci de progression dans un ordre croissant. Donc il cite, rahimahullah, dans le titre de ce chapitre, que le fait de porter un anneau, un fil ou toute autre chose de semblable, comme les amulettes, qu'elles soient pendues à un fil ou non, comme les anneaux en fer, et toute autre chose que l'on porte, ou bien que l'on accroche dans les maisons, dans les voitures, au cou des enfants, et tout ce qui se porte ou s'accroche et auquel on voue une certaine croyance. Tout cela est donc concerné par le chapitre étudié et fait donc partie du polythéisme. Il faut savoir que les Arabes avaient certaines croyances concernant les anneaux, les fils et tous les objets comme les amulettes. Ils croyaient que si une personne portait ce genre d'objet, ce dernier avait un effet bénéfique, que ce soit par la dissipation du malheur après qu'il se soit produit ou par son refoulement avant qu'il n'arrive, ce qui est encore plus grave, car c'est croire que ces objets vils et méprisables peuvent repousser le décret divin. Alors ici, je veux parler d'un point qui est essentiel. Pourquoi cela est-il considéré comme une forme de polythéisme? Pourquoi on dit que c'est du polythéisme? Certains pourraient dire que ce sont des causes. Nous allons essayer d'expliquer cela. Premièrement, car le cœur s'attache à cet objet, le considère comme une cause de dissipation du malheur
ou de son refoulement. Or, la règle à ce sujet est que le fait d'affirmer du caractère effectif des causes n'est pas permise, sauf s'il s'agit d'une cause religieusement légiférée ou d'un élément que l'expérience réelle a permis de classer parmi les causes effectives et apparentes, et non pas les causes occultes. Par exemple, le médicament prescrit par le médecin, ou bien d'autres causes bénéfiques apparentes, comme le fait que le feu chauffe. Quand on s'approche du feu, il chauffe. Comme le fait que l'on puisse se rafraîchir avec de l'eau. Tout ceci sont des causes visibles dont l'effet est apparent. Donc, on peut affirmer qu'une cause a des effets par la volonté d'Allah que par deux moyens. Le premier moyen, qu'il ait été légiféré par les textes religieux. Alors, à partir de là, que ce soit une cause occulte, cachée, ou une cause visible, apparente, on l'accepte. Le deuxième moyen, c'est qu'il n'a pas été cité par les textes. Mais l'expérience le prouve, à condition que ce soit quelque chose de visible et dont les effets sont palpables. Et non pas quelqu'un qui dit « on a essayé ces causes occultes et ça marche ». En dehors de cela, tous les types de polythéisme mineur peuvent devenir majeurs. Et ceci en fonction de l'état de la personne qui les commet. Ainsi, quiconque considère que l'anneau ou le fil n'est pas une cause, mais qu'il a le pouvoir en lui-même et il donne des effets en lui-même, alors il aura commis en cela un acte de polythéisme majeur, du shirk akbar. Car il a conféré le pouvoir d'agir sur la création à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, en résumé, ce chapitre, il tourne autour du fait que le cœur s'attache à ses objets. Et selon son degré d'attachement et sa croyance en eux, le statut diffère. S'il pense que c'est une cause, ce sera du shirk asrar, du polythéisme mineur, car ce n'est pas une cause légiférée par Allah Ta'ala, et c'est le cœur s'attache à ces choses, et il mène au polythéisme majeur. Et il a été nommé par les textes comme étant du shirk. Donc toute action ou parole ou croyance qui est nommée par les textes étant du shirk, et qui a été prouvé qu'il n'arrive pas jusqu'au shirk majeur, au polythéisme majeur, c'est du polythéisme mineur. Ou bien, tout moyen qui mène au polythéisme majeur est du polythéisme mineur. Puis le cheikh a cité la parole d'Allah tabarak wa ta'ala. قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ. Dans le sens des versets, dit: voyez-vous ce que vous invoquez en dehors d'Allah? Si Allah me voulait du mal, est-ce que ses divinités pourraient dissiper son mal? Ou s'il me voulait une miséricorde, pourrait-elle retenir sa miséricorde? Donc Allah subhanahu wa ta'ala, ici, interpelle les personnes qui prennent aide en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, auprès des divinités ou des objets dans lesquels ils ont des croyances contradictoires à l'islam. En leur disant, comment peuvent-ils reconnaître que le créateur des cieux et de la terre est Allah subhanahu wa ta'ala l'unique? Puis quand il s'agit de l'adoration, ils se dirigent vers autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ceci est la méthode du Coran. Il utilise comme preuve contre les polythéistes le fait que ces derniers renient l'unicité d'Allah en tant que divinité, alors qu'ils reconnaissent son unicité en tant que Seigneur. Quand Allah tabaraka ta'ala dit, ce que vous invoquez en dehors d'Allah, l'invocation, elle peut être de deux types. L'invocation de demande et l'invocation d'adoration. Et ici, Allah tabaraka ta'ala les reprend sur ces deux types d'invocation. L'invocation de demande, c'est la dua en elle-même, quand on dit, on demande à Allah, on invoque Allah. L'invocation d'adoration, ce sont les actes d'adoration qui comprennent en elles-mêmes, en fait, l'invocation, la demande. Quand, par exemple, quand quelqu'un fait salat, quand quelqu'un se prosterne, quand quelqu'un sacrifie une bête, en cela, il a une demande. Quelle est cette demande? C'est comme s'il invoquait Allah implicitement par cette adoration. Il l'invoque de le faire entrer au paradis. Il l'invoque de le protéger du mal. Il l'invoque de lui donner le bien. Donc il fait ses actes, mais derrière ses actes, en fait, il présente une demande à Allah subhanahu wa ta'ala. De même, ceux qui font ces adorations pour autre qu'Allah, ils les adorent. Ils ont invoqué autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala par l'adoration. Donc l'invocation, elle est de deux types. L'invocation de demande et l'invocation d'adoration. Donc quand Allah Ta'ala dit « vous invoquez »,
il parle des deux types d'invocations, les deux différents types d'invocations qui sont différents états, les différents états des polythéistes. De plus, leurs objets d'invocation et d'adoration varient. Certains d'entre eux se tournent vers les prophètes, d'autres vers des hommes pieux, d'autres vers les anges, d'autres encore vers les étoiles, certains s'orientent vers les arbres, vers les rochers, et d'autres encore adorent des statues ou des idoles. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit, en interpellant ces polythéistes, si Allah me voulait du mal, est-ce que ces divinités pourraient dissiper son mal? Ou s'il me voulait une miséricorde, pourrait-elle retenir sa miséricorde? Donc Allah subhanahu wa ta'ala a rendu caduque la possibilité qu'ont ces divinités d'influer en bien ou en mal. Donc par voie de conséquence, il devient caduque de s'attacher à ces divinités qu'on croit qu'elles jouissent d'un rang auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les pieux prédécesseurs, il faut savoir, et d'ailleurs les sahaba, comme on va le voir à la fin du chapitre, à la tête des pieux prédécesseurs, ils s'appuyaient et ils mentionnaient les versets concernant le polythéisme majeur pour réfuter les actes de polythéisme mineur. Car le point commun entre les deux, c'est le fait de s'attacher à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si s'attacher à autre qu'Allah tabarak wa ta'ala est caduque et invalide pour le polythéisme majeur, il l'est pour un moindre polythéisme. D'autre part, la pierre angulaire du verset est la réfutation qu'un autre qu'Allah ait la capacité de nuire ou que cet autre ait la possibilité de dissiper sans la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala un mal provenant de lui. Et c'est pour ce même concept, à savoir l'attachement à ce qui nuit et ce qui est bénéfique, que le polythéiste s'attache à ses anneaux, à ses fils, à ses amulettes ou autres. Donc on voit que le verset, quand on le lit comme ça, à première vue, d'une première lecture, on ne voit pas le lien entre ce verset et le nom du chapitre. Mais en fait, le lien est clair. Car les salafs, les pieux prédécesseurs, utilisaient les textes mettant en garde et prouvant la gravité du polythéisme majeur ou annulant, rendant caduque le polythéisme majeur pour le polythéisme mineur, comme ici le fait de porter un anneau, un fil ou autre chose pour dissiper le malheur ou le repousser. Puis, le cheikh, rahimahullah, a cité le hadith de Imran ibn Hussein radiyallahu anhu, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vit un homme portant au poignet un anneau de cuivre. Il lui demanda: qu'est-ce que cela? L'homme répondit: c'est contre la faiblesse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors: débarrasse-t'en, car cela ne t'apportera que surplus de faiblesse. Et si tu meurs en portant cet anneau, tu ne connaîtras jamais la réussite. Tu ne connaîtras jamais la réussite. Donc quand le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, quand il lui a dit: qu'est-ce que cela? Il l'a réprouvé. C'est une condamnation du prophète sallallahu alayhi wa sallam sévère. Ce n'est pas une question anodine. L'homme répondit: c'est contre la faiblesse. En fait, ici, cela concerne une maladie qui affaiblit le corps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors: débarrasse-t'en. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné l'ordre de s'en débarrasser. Et ceci prouve que si la parole suffit pour déconseiller le blâmable, alors il n'est pas nécessaire d'utiliser ce qui est supérieur à la parole, c'est-à-dire la main, le geste. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: débarrasse-t'en, car cela ne t'apportera que surplus de faiblesse. C'est-à-dire que cet objet n'a aucun effet. Mais il peut même être la cause de te rajouter du mal, être une cause néfaste pour toi. Car ces effets sont néfastes pour l'âme et l'esprit qui deviennent malades et qui s'affaiblissent par le fait de s'attacher à ces objets en dehors d'Allah. C'est d'ailleurs l'état vécu par tous les polythéistes qui ne cessent de se mouvoir d'un mal vers un autre plus grand, même s'ils croient y trouver quelques bénéfices. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a ordonné de l'enlever. Il lui a dit qu'il ne connaîtra jamais la réussite s'il meurt avec cela. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit:
tu ne connaîtras jamais la réussite, c'est-à-dire la négation de la réussite, elle peut signifier deux choses. Premièrement, il s'agit de la réussite absolue, c'est-à-dire le fait d'entrer au paradis et d'être sauvé de l'enfer. Ceci concerne les personnes commettant un acte de polythéisme majeur, en croyant que l'anneau de cuivre ou le fil suspendu peuvent être bénéfiques indépendamment de la volonté divine. Deuxièmement, la négation dans le hadith porte sur le caractère total de la réussite, c'est-à-dire qu'il n'aura pas totalement réussi. C'est lorsqu'on attribue la causalité à une chose qu'Allah n'a pas décrétée être une cause, que ce soit du point de vue légal ou du point de vue du destin, c'est-à-dire de l'expérience. Cela concerne les personnes commettant un acte de polythéisme mineur. Puis, le cheikh, rahimahullah, cite la parole de l'imam Ahmed, qui a rapporté aussi que Uqba ibn Amir a attribué les paroles suivantes au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quiconque s'attache à une amulette, qu'Allah fasse en sorte que ses projets n'aboutissent pas. Le terme ici, s'attacher, englobe le fait de s'accrocher l'amulette au cou, mais aussi l'attachement du cœur à l'objet. Ainsi, cela concerne ceux qui portent une amulette à laquelle le cœur s'attache. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque s'attache à une amulette, qu'Allah fasse en sorte que ses projets n'aboutissent pas. Ici, c'est une règle très grande en islam. Que la personne qui cherche à atteindre un objectif par une manière illicite, Allah le rétribue par le contraire de ce qu'il visait par cet objectif. Toute personne qui veut atteindre un objectif, un travail, une réussite, la santé, le bonheur, le mariage, quoi que ce soit, mais il cherche à atteindre cet objectif. Il utilise des moyens illégaux, illicites. Que ce moyen illicite soit le polythéisme majeur, c'est qui est le pire, ou le polythéisme mineur, qui est le pire des péchés, qui ne fait pas sortir de l'islam, ou bien d'autres péchés, d'autres moyens illicites. Alors Allah le rétribuera par le contraire de ce qu'il cherchait. Ça ne veut pas dire que certains ne vont pas atteindre par ce moyen haram ce qu'ils cherchaient. Mais ils ne trouveront pas le bonheur ou la tranquillité dans cette chose-là qu'ils espéraient. On pourra voir en apparence qu'ils ont atteint le moyen qu'ils cherchaient. Mais ils ne cherchaient pas le moyen pour lui en soi, mais pour ce qu'ils espéraient gagner avec ce moyen, comme tranquillité et repos de l'âme. Mais ils auront tout le contraire. Et dans l'au-delà, encore pire. Encore pire. Donc, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Quiconque s'attache une amulette tamima », ça englobe les colliers et toutes les choses qui s'accrochent au cou afin de repousser le mauvais œil, les maux en général, la jalousie ou tous les malheurs. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué Allah contre cette personne en lui demandant de faire en sorte que ses projets n'aboutissent pas. En effet, l'amulette tamima, elle se nomme ainsi car on lui confère le pouvoir de faire aboutir les projets. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué Allah contre l'homme pour qu'Allah ta'ala ne fasse pas aboutir ses projets. Puis il a dit sallallahu alayhi wa sallam, et quiconque s'attache à un coquillage, donc c'est une sorte de coquillage qu'il s'accrochait au cou ou au bras pour repousser le mauvais œil et autres calamités. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah ne le laisse pas goûter le repos. C'est-à-dire lui, il l'avait attaché pour trouver le repos. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué Allah pour qu'il ait le contraire de ce qu'il cherchait. Tout ceci en raison de son polythéisme. Ibn Abi Hatim rapporte que Hudhayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu vit un homme porter au poignet un fil censé le protéger contre la fièvre. Alors, il lui arracha. Ceci prouve que porter ce type de fil est un grand mal, car il ne lui aurait pas arraché de la sorte. Et c'est pour ça qu'il est obligatoire de le réprouver. Puis, il a cité la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala pour prouver son acte. Et qu'est-ce qu'il a dit ?
رضي الله عنه وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. Et la plupart d'entre eux ne croient en Allah qu'en lui donnant des associés. Donc cette personne qui portait ce fil, censé le protéger contre la fièvre. Et Hudhayfa lui arracha et récita cette parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que cela prouve? Cela prouve ce que le cheikh a cité dans les leçons à retenir de ce chapitre. Que les pieux prédécesseurs utilisaient les versets qui parlaient ou qui visaient le polythéisme majeur contre le polythéisme mineur. Contre le polythéisme mineur. Et quand ils citent la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et la plupart d'entre eux ne croient en Allah, c'est-à-dire ils croient qu'Allah c'est le Seigneur et Créateur qui octroie la subsistance, qu'il donne la vie et la mort. Mais ce n'est pas une croyance valide, car ce n'est pas une croyance qui comprend l'unicité d'Allah dans son adoration. Or, croire en l'unicité d'Allah dans la seigneurie, cela ne suffit pas pour avoir une croyance valide. Cela ne suffit pas pour avoir une croyance valide et pour être sauvé du châtiment éternel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il est indispensable d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala aussi dans son adoration. Dans son adoration. Puis le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a cité les points à retenir de ce chapitre. Premier point. La condamnation sévère du port d'un anneau, d'un fil et autres pour les raisons précitées. Deuxième point, si le compagnon qui est cité dans le hadith était décédé en portant son anneau, il n'aurait jamais connu la réussite. C'est une preuve appuyant les propos des compagnons sur le fait que le polythéisme mineur est plus grave encore que les autres grands péchés. Troisième point, le compagnon n'a pas été excusé pour son ignorance. Dans le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a réprouvé durement. Et dans le fait qu'il lui a dit que s'il était mort de cette manière-là, il n'aurait jamais connu la réussite. Quatrième point, l'anneau protecteur n'apporte rien de bénéfique dans l'immédiat, ni dans l'au-delà. Mais il est plutôt nuisible, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, cela ne t'apportera que surplus de faiblesse. Cinquième point, la condamnation avec dureté d'une personne agissant de la sorte. Sixième point, la preuve évidente que quiconque porte ce genre de choses sera abandonné à son sort, sans l'aide d'Allah Ta'ala. Septième point, la preuve claire que quiconque porte une amulette a commis un acte de polythéisme. Huitième point, porter un fil pour guérir de la fièvre fait partie du polythéisme. Neuvième point, la récitation du verset par Hudhayfa est une preuve que les compagnons utilisaient les versets révélés concernant le polythéisme majeur comme argument au sujet du polythéisme mineur, comme l'a cité Ibn Abbas radiallahu anhuma dans Surat al-Baqarah. Dixième point, porter un coquillage contre le mauvais œil fait partie du polythéisme. Onzième point, l'invocation faite contre quiconque porte une amulette. Cette invocation consiste en ce qu'Allah ne permette pas au projet de cette personne d'aboutir. Et celle faite contre quiconque porte un coquillage consiste en ce qu'Allah ne le laisse pas goûter au repos. Donc voilà concernant ce chapitre. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك